Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On part tout de suite à la découverte de la Vogue des Marrons 2022 qui est juste devant moi. C'est parti!
fait ma coupure de ma vidéo dans un parking souterrain et assis par terre. Voilà, j'avais pas trouvé mieux. Non, surtout que j'avais oublié de la faire à Lyon. Là n'est pas la question. J'ai passé un très bon moment à la fête foraine de Lyon. Voilà. C'est pour moi une fête foraine comme une autre. Rien d'extraordinaire à mon goût, sauf le cadre qui est super sympa. On a les attractions en pleine rue, donc ça c'est génial. C'est pas comme sur un parking, voilà. Donc ça c'est bien, c'est déjà un bon plus. Par contre, sur certaines attractions, le prix est assez élevé comparé à de plus petites fêtes foraines. Enfin voilà, 8 euros pour un tour de manège qui dure 1 minute 30, c'est un peu élevé quand même, je trouve. Mais voilà, après ça c'est mon avis. Dites-moi en commentaire si vous avez fait cette fête foraine, si vous trouvez les prix élevés comparé à ailleurs. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et bah voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup à vous et à bientôt.